Vous êtes sur RTL. J'avais une question parce que je crois que c'est vrai, il y a quelques années, c'est vrai que vous étiez exaspéré par un spectateur qui commentait devant vous votre façon de jouer. Il paraît que vous êtes descendu de scène pour lui donner un coup de boule et que la représentation a été interrompue. Ouais. C'est vrai, Patrick? Ah oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais c'était il y a très très longtemps, j'étais jeune et impulsif. Dans le milieu, c'était au théâtre Montparnasse. Hein. Ah, oui. Ah oui, c'est pas rien. C'était, on en parlait très souvent dans Landerneau, dans la rue de la Gaieté. Oui. Ça fait du bruit. Vous l'avez revu depuis ou pas? Hein? Vous l'avez revu depuis? Qui ça? Ce spectateur? Non. Ben, non. Et vous, parce qu'il est là pour vous ce matin, on l'accueille. Non, c'est pas sacré. On dit que c'était quelqu'un qui n'avait pas payé sa place. Hein, non, je ne sais pas, mais toujours est-il que ça faisait. C'est une pièce qui ne marchait pas très, très fort, qui n'était pas. Bon, que j'aimais bien. Et je faisais un preneur d'otage un peu hystérique, un peu mal dans sa peau. Et pendant une heure et demie, les gens, ça ne leur plaisait pas apparemment, et ils mettaient en boîte, quoi, ce qui est rare. Ils faisaient oh là là, bon, tu vas voir qu'il va faire ça. Et non, vraiment. Je faisais ça. Toi, je te l'avais dit. Ah non. Oui, c'est exaspérant. Toi, et au bout d'un moment, je devais m'écrouler en pleurs. C'était un moment très impudique, difficile à faire, un peu gênant, type qui s'écroule. Et j'ai dit là, faut qu'il se calme, là, parce que c'est. Et je commence et j'entends oh, il pleure. Hein? Tu vas voir, tu as pleuré toi aussi. Donc je me suis arrêté, j'ai dit écoutez, lumière dans la salle, on va discuter. Le mec, le régisseur n'était pas là. Je dis bah venez pas là lumière, sur scène, qu'on vienne vous voir un peu. Maintenant c'est très courageux, vous êtes dans le noir, allez-y. Et le mec me dit viens là toi. Alors, c'est-à-dire, on ne réfléchit pas. Oui. C'est-à-dire, c'est le coup de sang. Quoi. Oui. J'ai sauté dans la fosse d'orchestre, j'ai remonté la travée du théâtre, et effectivement, j'ai respiré tout de suite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et voilà, je l'ai alpagué comme ça. Les autres spectateurs sont dit quelle pièce incroyable. Mais des trucs même dans la salle. Je rigole, mais après, je suis remonté sur scène, j'étais dans un tel état, parce qu'on est dans des états quand même. Hein. J'ai commencé à engueuler les gens en disant t'es obligé de faire la police ou quoi. Les gens étaient, ils ne savaient pas si c'était la pièce ou le truc. Entre temps, le régisseur est revenu du café, où il était souvent au café. Il a appuyé sur il a baissé le rideau. C'était un rideau à la demande que j'ai reçu. Sur la tête. Ah, et à ce moment-là, les gens ont applaudi. Une représentation unique. Unique.